Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour ce 18e volet du Fat Show. Attends deux secondes mec. Ben ? Peut-être nous cadrer correctement, je sais pas. Ok. Bon bah alors vas-y. J'avais pas vu que c'était décadré. Ah oui quand même. Voilà, voilà, là allez. C'est quand même mieux. Allez McFly. Ce soir, une émission magnifique, une des meilleures comme d'habitude avec Marina, notre street reporter de luxe, Schneideps, le jacasse poétique. Un invité parfait, un live plus que parfait. C'est tout, d'ailleurs. C'était très bien comme ça. Il nous rache ton gros bijou à prix d'un. Il craint son plus grand prédateur, le toucan. De retour dans votre émission Top Coke, la sélection des meilleurs titres pour de la cocaïne. Oui. Hé, mais tu veux quoi, wesh? Mais c'est mon émission. Oh, la caïra de merde, c'est de la musique de merde, c'est de la trance musique. Qui écoute de la trance musique? Personne n'écoute de la trance. Ouais, si, c'est... si. Je vais te dire, c'est de la musique de Clodo. Oui, non mais il n'y a aucun Clodo qui danse là-dessus. Il faut au moins avoir 3 maladies vénériennes, 4 sida et 2 MST pour supporter cette musique, sinon... Mais sinon genre tu meurs quoi, c'est ça? Ok McFly, on a le meilleur guest qu'on a jamais reçu dans le Fat Show, c'est incroyable, c'est une très bonne nouvelle. Non, sérieux? Même le grand journal, ils l'ont pas. Michel Drucker. Michel Drucker, qu'est-ce que tu racontes? On a la femme de Dexter. On a Rita qui est ici, la femme de Dexter, c'est complètement dingue. Attends, Rita là? Non, c'est pas possible mec, c'est pas... Je l'ai fait venir d'Hollywood, c'était une galère, ça va être super. Attends, mais je suis désolé, mais depuis quand les Ricains viennent dans le Fat Show? Ils vont nulle part, mais pourquoi ils viennent pas de question, ça te fait pas plaisir? Bah si, ça fait plaisir, mais j'ai pas été au courant. Chut, la prod m'a pas... Rita, elle va jouer avec Dexter. Bonjour. C'est pas fou? Ah ouais. Alors, je t'aime bien, je t'adore, vraiment, et vous aussi là, mais c'est pas du tout Rita, ma gueule. Alors c'est qui? Non, alors c'est Ariane, la prof de Zumba par excellence de Paris les alentours, la référence impeccable en Zumba. Zumba, c'est ça rien. Qu'est-ce que t'en fais? T'es con? Non, mais si, parce que j'ai déjà fait un peu de Zumba, je suis allé accompagner des femmes, des coffres. Non, c'est la femme de Dexter. Bon. Bon, ça va être comme ça tout au long de l'émission ou... C'est possible, c'est fort probable. C'est pas faux. Vous l'avez compris, on fait une émission un peu spéciale Zumba. On met la Zumba à l'honneur avec Ariane aujourd'hui dans le Fat Show. On va parler de Zumba, mais avant, c'est quoi ton émission de télé préférée? Ça va être très gênant parce que j'ai pas la télé. Tu n'as... Elle n'a pas la télé! Oh, elle a encore le Minitel. J'ai internet. Ah, tu as internet, donc voilà. Ça va. Et j'adore le Fat Show. Ah, on sent que tu es sincère. Mais tu m'avais dit pourtant que tu avais jamais regardé une émission. Où il est le billet, le chèque? Marina est allée dans la rue parler un peu télévision avec vous. C'est une enquêtrice, c'est une enquêteuse, c'est une enquêtage. Ça veut rien dire, enquêtage. Hein. Qu'est-ce que sent-il? Cette semaine dans Maison à vendre, on va retaper la maison de Janine, Jean-Pierre et Jean Kikou. C'est Stéphane Plaza. J'adore cette émission Maison à vendre. Il arrive à faire avec des maisons pourraves des trucs fabuleux. Et vous d'ailleurs, c'est quoi votre émission de télé préférée? Rien, je regarde pas la télé. Jamais? Non, jamais. Le petit journal. Ciné Polar. Les bonnes nouvelles du JT, les meurtres, les assassinats. Faites entrer l'accusé parce que j'aime bien les histoires de bébés morts. Ou congelés. T'as des bons qu'à conseiller? Moi, j'écoute la radio plutôt, là, parce que la radio, je peux faire autre chose, tandis que la télé, on est... Courbis, Verlandel, Jean Marette. J'ai pas encore 120 ans, donc c'est fait pour les petits vieux, la télé. Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télé, mesdames? Des conneries, c'est pas la peine.
tous les yeux ils disent ça. Les anges. Pourquoi tu regardes les anges? C'est de la merde. C'est quoi? Moi ça me saoule. Y'a Nabila. Ah Nabila, ouais ouais. Mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Elle est belle. Elle est bonne. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Vous regardez pas la télé? Non mais je regarde des jolies filles comme vous là, comme ça, ça me plaît bien moi. J'aime le cinéma, la télé, je m'en tape. Oh bah ouais, ouais, il ça... pète la dalle, le vieux. Ah, ouais. Merci pour le vieux quand même là. Oh, oh. Bah, je vous laisse. Allez-vous-en. Allez. Bonne journée. Je suis un peu pervers. Hein. Qu'est-ce que vous détestez le plus à la télé? J'aime pas les émissions de télé-réalité à la con. Tu vas la vie. Les feuilletons, genre les feux de l'amour. Tu sais, Masterchef, un quart d'heure sur une coquille Saint-Jacques. Elle est cuite, elle est pas cuite. Peut-être. Non, encore, il faut attendre. Ça, c'est vraiment ridicule. C'est honteux, quoi. Moi, il y a des émissions, je les ai même pas regardées 10 secondes. Et quel est l'animateur que vous détestez le plus? Il y en a pas mal, hein. Arthur. Ah, oh, je suis Morandini, ouais. Vas-y, pourquoi? Bah, parce qu'il a une tête à claque. Qu'est-ce que vous metteriez, vous, à la télé, si vous deviez choisir? Bah, demandez au peuple. Qu'est-ce qui manque à la télé? Des bons téléfilms. Et des bons films. Faire de la promo pour des petits commerces, je sais pas, ou des gens dans l'indigence, hein, qu'on peut voir ici, tu vois, déjà, on est en plein centre de Paris. Peut-être plus parler d'eux. Une chaîne avec juste les séries des années 80, de mon enfance. Moi, je ferais une émission de danse. Cobra, Albator, Lycée d'Or. Vous regardiez Hooker? Oui, Hooker. Ah, Hooker, j'étais amoureuse de lui, moi. Je les laisse faire à la télé, après si ça nous plaît pas, on regarde pas et puis voilà, c'est terminé. Je ne regarde pas la télé, c'est pour les incultes. Pourquoi tu montes? C'est parce que t'as pas la télé. Des trucs. De quoi on parle? Ils ont trouvé un petit truc comme as qui ressemblait à un extraterrestre, tout petit, et en fait ils ont analysé l'ADN, ne parle pas pendant que je parle, ils ont analysé l'ADN et c'était un humain. En fait, et c'est un humain qui avait une malformation, mais il était grand comme ça, mais il a vécu 6 ans quand même. C'est pas 7. Mais il est allé au CP du coup? Non, je pense qu'il n'était pas scolarisé, pour des raisons évidentes. Avant toute chose, on aurait besoin d'une définition claire et simple et efficace de ce qu'est la Zumba, s'il te plaît, Ariane. La Zumba, c'est un mélange de danse et de fitness. Le cours, il dure 1 heure à peu près en général. C'est sur des musiques latino, donc merengue, salsa, bachata, reggaeton. Reggaeton, bachata, voilà. Tu connaissais bachata? Oui, bah bien sûr, je connais très bien, notamment... Ça n'est pas un plat. Pardon. Moi, j'ai déjà assisté à des cours de Zumba, ne me demande pas pourquoi, mais il y avait aussi de la musique très actuelle, genre du Rihanna, oui, des MFAO, du n'importe quoi, des trucs qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Ça marche. Non, en général, c'est quand même, c'est basé sur de la musique latine. Après, tu peux mettre des sons actuels, super commerciales. Voilà. Et rassure-moi, il n'y a pas du Sean Paul, quand même? Ah, si. Beaucoup. T'aimes pas Sean Paul? Ah, tu sais, tu connais la meilleure citation de Sean Paul? Non. Sean Paul. Ouais. Ah, plus avec ses doigts, Shana Paul. Pardon. Shana Paul. Tu étais danseuse avant tout, c'est J'étais ça danseuse, ouais. Enfin, je suis encore danseuse. Oui. Ouais. Mais je suis un gros con. Quel a été ton trajet jusqu'à la Zumba, en fait? Comment ça se passe? Comment tu deviens prof alors que t'es un peu danseuse avant? Bah, t'es un peu danseuse, tu passes ton certificat de Zumba et puis tu commences à donner des cours. Certificat, comment ça se passe? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens. J'en suis sûr. Qui veulent passer leur certificat de Zumba. Toi, tu veux? Ah ouais, j'aimerais tout le monde. Plutôt des meufs qui nous regardent. Ah ouais? Ouais. Et comment ça se passe? Bah, tout le monde peut le passer, c'est une formation de 2 jours en fait. Et puis on t'apprend la pédagogie et on fait des masterclass. Zumba, c'est aussi une marque alors, c'est ça qu'il faut éclaircir un peu ouais, sujet. Oui, tout à fait. Zumba Air Fitness. Ah mais d'accord, donc c'est une société qui est très riche aujourd'hui. Voilà. D'accord. Il paraît que c'est une société vraiment très riche. Oui. Et toi, tu bosses pour cette société? Je bosse pour cette société, ouais. Il me semble aussi que tu as dansé pour des célébrités oui. Ou sur des plateaux télé. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, plateau télé, derrière des artistes. Genre pour qui? Voilà. Oh, un peu pour tout le monde. Oh, balance, s'il te plaît. J'ai vu Céline Dion, c'est vrai? Oui, Céline Dion, ouais. Je sens que mes yeux sont dilatés, que mon cœur bat trop vite, que mon pouls n'est pas normal. Et qui d'autre comme artiste alors? Les plus gros. Pas les plus gros, hein. Français. Non. Les... Amel Bent. C'est bien ce que je disais, je parlais pas des plus gros, je parlais des plus connus. T'as cité quand même la personne la plus connue. Elle a beaucoup maigri. Oui, non, mais on l'aime bien, Amel Bent. On a bien vu la pub. Où elle a maigri. La vie, elle peut être très douce. Est-ce que c'est pas le meilleur taf du monde? Franchement. Ouais. Tu danses, tu kiffes. Si.
Tu côtoies des gens, tu voyages. Ça, c'est bien. Ouais. Quel est le défaut de ce travail? Fatigant, enfin pour le corps, quoi, physiquement. Ah ouais. Puis, parce que t'en fais tous les jours, quoi. J'en fais tous les jours, ouais. Mais t'as pas une retraite anticipée, du coup? Tu vas finir plus tôt que les autres, non? Ça te pas le dos? Ah ouais, c'est sûr. Bah, c'est comme la danse, ça va, ça, voilà. Le phénomène de la Zumba, c'est dingue, parce que ça, c'est devenu à la mode, ça fait quoi, 2-3 ans que c'est devenu France, une mode en France, incroyable. Ouais, 3 ans, Et à quoi c'est dû? Est-ce que tu penses que c'est un peu comme le disco dans les années 80, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de se lâcher, ils ont besoin de danser, ils ont besoin de kiffer, donc pour oublier les problèmes, ils font ça? Ouais, carrément. Puis c'est des musiques latines, tout ça, donc c'est hyper chaleureux. Pourcentage de mecs, c'est quoi le pourcentage de mecs? Il n'y en a pas beaucoup, quand même. Ils sont là pour se rincer l'œil, parce que la Zumba a un pourcentage érotique qu'on ne peut pas nier. Ou ils sont là pour vraiment faire de la Zumba? Les mecs qui viennent, ils sont vraiment à fond et ils sont vraiment là pour kiffer, quoi. J'y crois pas une seule seconde. C'est pas possible. Non. La personne qui a amené la Zumba, c'est Beto Pérez, c'est un Colombien. Alberto. Voilà. Pérez, comme si on connaissait. Oui. Alberto. C'est, en fait, il a oublié ses CD dans un cours de fitness. C'était un prof de fitness à la base. D'accord. Et il a mis des CD de salsa. Et il a commencé à faire de l'impro dessus. Et les filles, elles ont vraiment adoré. Voilà, donc c'est la petite anecdote. Tu sais parler portugais? Si. Tu vraiment portugais? Si, c'est pas espagnol? Non, si, c'est si, c'est italien. Ça se passe partout. Si, tout ça. Ça marche. Et tu saurais dire, on va se regarder un petit live en portugais? Face caméra, s'il te plaît. Dans le fat show. Dans le fat show. Avec McFly et Cornello qui sont les... Cornello. McFly et Cornello. La nouvelle émission. A gente vai ver agora show fat show com... Com quem? McFly. McFly e Carmelo. E agora... Encore une artiste de qualité dans le fat show, Elisa Jo. Elle est si jeune, elle est si bien. Vous achetez cet album sur internet, il est sorti, allez-y, courez, c'est très facile. Vous avez un bon wifi? J'espère. Ça s'appelle Colors of My Mind. Alors, c'est Colors in My Mind, en fait. Ouais. T'as bu ou quoi? Si j'ai bu? J'ai beaucoup bu avant de venir. Torn all up inside, ill and in suicide. Washed my hands out and cried. Focusing on the pain running through my veins, it will never end. Your eyes, your hands, I let go of them. Your lips, I let go of your keys. But you say finally that you may need me. It's not the way I wanted. The more I see you, the more I'm defeated. I'm defeated. You shot me in the brain, then made my heart beat again. It drives me insane. Think that I'm still in love with you. Your eyes, your hands, I let go of them. Your lips, I let go of your keys. But you said finally that you may need me. It's not the way I wanted. The more I see you, the more I'm defeated. I'm defeated. Yeah.
Your eyes, your hands, I let go of them. Your lips, I let go of your keys. For you said finally that you may need me. It's not the way I want it. The more I see you, the more I'm defeated. I'm defeated. Merci Elisa Jo. Continue comme ça, tu es jeune et talentueuse. Continuons dans la Zumba, s'il vous plaît. Il est fluide, mais en même temps... Oh, la Zumba commence là, tu vois. Si la Zumba devient un mouvement si populaire, c'est aussi parce que c'est très bon pour la santé. Ah oui. Faut dire la vérité. Ouais. Combien de calories on perd dans un cours d'une heure de Zumba? Entre 800 et 1000 calories. Qui est équivalent à peu près à 2 lions de masse. Merde, ouais. C'est bien, entre 800 et 1000 ouais. par cours de Zumba. Ouais. Merde, tu veux te faire dire... On perd vraiment beaucoup. Et du coup, il y a des gens qui viennent à la Zumba exclusivement, dur à dire, pour maigrir. Ouais, c'est vrai. On peut faire ça alors. Ah oui. Tu leur conseilles quoi? Quelle fréquence de cours par semaine, par mois? Comment ça se passe? C'est quoi le régime déjà, Zumba? Au moins une fois par semaine, voilà, déjà, au moins. Et puis, bah, le plus on en fait, voilà. Toi, tu donnes combien de cours par semaine, genre? J'en donne tous les jours. Un par jour? Un, voire deux, voire 3 heures par jour. Oh. 3 heures par jour. Mange bien. Oh, putain, 60 000 calories par mois, tu perds. tu te rends compte? Mais elle peut manger des trucs énormes. Ah ouais, mais tu te fais des tartiflés. Attends. L'entrecôte cowboy de Buffalo. Oui, oui. De la bouffée tranquille, tu la connais? Incroyable, la plus tendre. Comment ça s'appelle le truc du Nord, là, fou? Le Welsh. Le truc Welsh du Nord. C'est du racisme. Hein. Non, le plat, la spécialité du Nord, le Welsh, là. Tu as déjà mangé des trucs gras? C'est quoi le truc le plus gras que tu manges? J'aime bien les couscous. Oh, c'est tellement précieux et raffiné. Où est-ce qu'on te retrouve, Ariane, si on veut faire des cours avec toi, tout simplement? Alors, en fait, je fais partie d'une équipe, donc on est 9 instructeurs avec Zumba France, donc zumbafrance.com, et là, il y a plein de cours, il y a des cours en discothèque, il y a des cours en salle de danse. Mais pas que à Paris, si? Voilà. Oui, c'est essentiellement à Paris. C'est essentiellement oui, à Paris. Oui, mais après, il y en a partout. En province, on fait comment, alors? Ah non, mais il y en a partout. Il y en a partout. Ouais, ouais. On va passer à quelque chose de plus physique. Ouais. On va essayer de définir qui est le meilleur entre McFly et moi au niveau de la Zumba. Même si ça me paraît évident. Parce que t'es déjà un peu... Non, c'est pas ça. Ah, pardon. C'est parce que je suis vraiment le meilleur. Bah, on va voir ça. Mmh, ok. On va savoir qui de nous deux est le meilleur, ok? Easy. Ariane, t'es prête à noter? Mmh. Toi qui es la prof de référence. Oui, bah oui. Balance la musique. Ouais, c'est qui? Franchement, j'avoue, même moi. Ouais, s'il te plaît, sur Ariane, combien s'il te plaît? On la note. Bon, allez. Fais gaffe, hein, merde pas, c'est un peu j'ai compliqué. J'ai envie de mettre un 8 quand même. Oh, un 8 sur 10, ça merde! Non! Putain! Petit poirier pour l'occasion. Hop! Et ça le tombe! Allez, d'accord. T'as voulu jouer à ça, t'as voulu réveiller la bête. Vas-y. Quoi? Ah oui, pardon. Ouais. Allez, c'est Awam. Zumba. Dans la poche direct. Envoie le son, mon pote. Allez, ça vient. Par mitzvah. Oh là là. La figure de fin.
vie est juste. La vie est juste. Ok, vous êtes prêts? Dégage, on a compris, le maquillage, c'est très bien ce que t'as fait. Dégage, voilà. Prends ton martelet. Écoute, Carlito, je suis vraiment pas sûr de ce qu'on a. N'aie pas l'air blasé, prends ton martelet. Tu veux faire une bonne com sur le fat show, tu m'écoutes. Mais ok, je te fais vraiment confiance, mais je suis pas certain de l'intérêt, regarde. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça va pas faire de la On s'en bat les couilles. J'ai acheté au Japon un objectif spécial gabarit de Thor. Tu me suis, ça va être direct. Gabarit de Thor? Penche-toi en avant. Ça doit pas marcher, mec, je suis désolé. Gauche. Moi, je suis vraiment... Non, mais je t'aime, mais je suis pas certain de ce qu'on est en train de faire. Fonce, fais-moi confiance. Les minettes vont tomber comme des mouches à merde. Voilà. Alors quoi? Main gauche ici. Main droite, voilà. Ouais. Tu lèves un peu le menton, ouais. Tu redescends le menton, ouais. Tu fais comme si tu faisais un effort. Ouais. Vraiment un effort dur. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Ferme ta gueule, ferme bien ta gueule. On va balancer le flash sur 3, 2, 1. Je t'avais dit? Je suis le best! Et à la santé de Carlito. Ah ouais, un chanteur de métal à fond. Quel imbécile de vous écouter à ce moment, il fait vraiment tout ce que vous dites. Oui, comme je vous disais, mon cher McFly, l'obésité est un des problèmes majeurs de notre société actuelle. La malbouffe, les fast-foods détruisent notre santé. Oui, je suis tout à fait d'accord, ça. C'est surtout pour la nouvelle génération que le problème s'aggrave. Oui, bon, particulièrement pour la nouvelle génération, ouais. Tout ceci m'amène à vous proposer ce job de chanteur pour obèse. Bon, et je comprends bien, j'accepte, je me la ferme, et je vais encore faire la connerie que vous me demandez de faire. Vous ne pourriez rien vous cacher. Bon courage. À chaque effort que tu effectues, de l'huile de colza tu transpires. À chaque cache-cache auquel tu joues, on sait où tu es car fort tu respires. Sur le continent qu'est ton estomac, des vacances low cost, une famille passera. Ah, tiens, il te reste un truc entre les dents. Il s'agit d'une paupiette de veau. Dis-moi mon gros, ta dernière meuf c'était qui? Il s'agit d'une paupiette de veau. T'es stylé, t'as un tatouage en fait, c'est quoi? Il s'agit d'une paupiette de veau. C'est normal que tu aies la haine. Tu confonds l'eau et le gluten. C'est normal que tu sois jaloux. C'est dur pour toi d'être debout. C'est normal que tu aies la haine. Tu confonds l'eau et le gluten. C'est normal que tu sois jaloux. C'est dur pour toi d'être debout. Mais attends, Carlito. Oui, McFly? Au Japon, les sumos sont considérés comme des dieux. Mais nous ne sommes pas au Japon. Malgré tout, subsiste le doute, car tous les humains avec de l'embonpoint sont gentils. Oh, c'est vrai. Est-il possible qu'en leur fort intérieur, on trouve parmi les calories un monde meilleur? Mais oui, monsieur le gros, c'est maintenant une évidence. Même si à cause de ton volume, jamais plus tu ne danses. Tu es le plus heureux des hommes, le plus épanoui d'entre eux. Car manger à l'infini est signe de providence. C'est ça! J'aimerais manger à l'infini. Allez, danse! J'aimerais manger toute ma vie. Allez, danse! Quelle chance tu as, mon ami! Allez, danse! Vite!
toi tu manges tout. À l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. C'est un truc de ouf. Ensuite, les photos, on les publie sur le Facebook du Fat Show et on sélectionne le gagnant parmi les photos qui ont plus de 50 likes. Et dit comme bonjour. Vous êtes tout petit. Quoi? Mais qui? Mais parle bien, mais dis-lui. Mais parle bien d'où? Mais qui es-tu? Mais c'est déjà, tu fais ça. Toujours, je te fais une chute! Non! Non! Ah. Toi, apparemment, tu laisses tomber, quoi. Dis-moi. Tu chutes pas du tout, toi, tu... Non, moi, je suis Karl et je suis bien. Schneidebs, tu nous reçois? Oh. Hey! Salut, les mecs, qu'est-ce que vous faites là? Oh. Mais t'es pas du tout prêt, mon gars, t'es complètement sous la douche, enfoiré. Oh, ouais, tranquille, les gars, là. Ouais, attends, ouais. Hey, on est pas en direct, à ce que je sache, hein. C'est là, tout là, de la post-production. On va revenir sur vous en plateau, et après, on reviendra sur moi, et je serai directement sur les lieux de la blague. C'est la magie d'ici noche. Allez. Bon, bah, on t'écoute, alors. C'est l'histoire d'un mec qui arrive chez son médecin, et là, il dit, docteur, j'en ai marre, j'ai pas de cheveux. Et là, le docteur, il dit, bah, moi, j'ai une technique. Faut mettre du sperme sur votre crâne. Alors, le mec, tout content, il rentre chez lui. Il va voir sa femme, il lui raconte tout. Et là, sa femme lui dit, mais ça marchera jamais. Et là, il lui dit, mais pourquoi? Et là, elle lui répond, ça fait 20 ans que je te suce et j'ai toujours pas de barbe. Alors les filles, pas mal ce cours de Zumba, avec Ariane au Barrio Latino. On va prendre un coup? Oh. Bon. Oh. Oh. T'es là, t'es... Je vais boire un coup. De retour avec Elisa Jo, hein, c'est la règle, on termine en beauté, c'est toujours comme ça. On se retrouve jeudi prochain sur l'énorme TV à 20h, canal 155 de la SFR Box, 125 de la Freebox. Tu as une classe. Casquette Donald. Non, la classe, c'est ouf. Tu n'es pas crédible. Déjà, c'est pas Donald, en plus, c'est Daffy Duck, regarde. Je sais pas ce que je fais avec lui. Non, mais attends, j'ai des arguments. Now I'm looking through the rain. I know the time will finally pass, and I see the sun again. And happiness will be going to last. Lonely hearts are rubber soles, but now we have to count them all. Look at them sit down on their knees, praying hard for the old 60s. That's something everyone agrees. Bring it on, your back around. See how they twist and shout. Look fine, think twice. No wonder it is pretty nice. Bring it on, you're back around. Back to what money just gone by. Allez, plus rapide. 1, 2, 3, 4.